Le best of de dimanche est super. Salut Yann! Salut Luigi! Premier jour de la Générale 2017, on a fait presque un sans faute. Jusqu'à la dernière minute, on pensait que c'était le sans faute. Malheureusement, on a eu un joueur éliminé sur Hearthstone. À la toute dernière minute, les règles ont changé et un éliminé. Sur LoL, on a fait 5-0. Sur Overwatch, 5-0. Et sur Hearthstone, donc, on a eu 6 joueurs sur 7 qualifiés pour le deuxième jour. Donc, presque un grand chelem. Un petit dernier mot peut-être? Gelé. On n'a pas beaucoup dormi. On est rentré tard hier, on s'est levé tôt ce matin, mais voilà, enfin, de toute façon on s'est tellement entraîné que normalement on va essayer de... Enfin, voilà, on joue pas des decks très très compliqués non plus, donc ça devrait le faire. Enfin, on a vu hier avec Kalax, Felken qui sont peut-être les deux qui étaient les deux favoris presque du tournoi et qui ont été éliminés, donc... Hearthstone quoi. Ouais, c'est Hearthstone exactement. Tonnerre, il est pas mal l'entraînement là? Ouais, nickel, très bien. C'est quoi les teams un peu redoutés aujourd'hui? Là actuellement on va dire il y a Nerve et LDLC. Après il y a Grobil qui reste quand même dans le top FR, mais ouais, Nerve et LDLC ça va être les plus gros deals cette GA quoi. Vous pensez quand même les battre? On verra tout simplement. Moi je dis pas, j'aime pas dire on va gagner ou quoi, parce que tout peut se passer, donc voilà quoi, on verra bien. Ou un petit mot peut-être pour terminer ou quelque chose à dire? Eh bien écoute, après la GA, les Challenger Series quoi, simplement. Alors aujourd'hui on va voir les deuxièmes des groupes qui vont jouer contre les troisièmes d'autres groupes, et on aura du coup, on va du coup voir un peu comme qui va être éliminé, donc si des deuxièmes peuvent être éliminés par des troisièmes, on sait jamais, et ensuite on verra du coup les gagnants de ce match là qui vont jouer contre les premiers de chaque groupe, et voilà, du coup là je cherche des choses à cast. Pas très bien dormi, du coup on a dormi sur les tables d'ostéo, et j'ai utilisé la veste de Mathieu en tant que corailler tout simplement. Je pense que là où ça m'a vraiment rendu la tâche la plus facile, c'est de voir Nameless qui dormait comme ça. Je me suis dit, finalement, c'est peut-être pas si mal la petite table de stéo, tu vois. Voilà. Petite bombe! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo numéro 2 de la journée numéro 2 de la Gamers Assembly, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, il faut dormir la nuit et pas sur le sol. Bisous et abonnez-vous!